Et oui, les berceaux, pas du tout pour contre remède contre les mycoses, pas du tout, mais pour bercer vos bébés. Alors le berceau, on va le rappeler, c'est pas un indispensable de votre de vos achats puriculture. Pourquoi? Parce que les enfants ne vont pas y rester très longtemps. En revanche, force est de constater que le berceau, c'est mignon, c'est sympathique et surtout ça fait un endroit un petit peu cosy pour coucher son bébé les premiers mois quand il vient de sortir du ventre. On n'a pas envie de le mettre dans un king size, soyons clairs. Agathe, venez mon ami. Agathe, Agathe, je vous vois passer. Là, t'as une buse. C'est comme le rapport entre les mycoses. Benjamin et me dit, on parle de mycoses, ça va être à toi. Bon, ah bah oui, bon. Bah voilà, le rapport. Ils sont trop ces berceaux ils sont, là. Ils sont très très beaux. Alors, le berceau, le seul souci, ce que je disais avant que vous n'arriviez là, en prenant votre temps, c'est que le bébé ne peut pas y aller très longtemps. Oui. Donc, c'est, voilà, on n'est pas obligé d'investir parce que, à partir du moment où votre bébé va se retourner, va se mettre assis, évidemment, on ne va pas le laisser dans un berceau qu'il pourrait enjamber. Donc, vous connaissez mieux vos bébés que moi, mais environ à 6-9 mois, on passe au lit de grand. Donc, évidemment, ça reste encombrant. Hein, on ne va pas se mentir. Hein, voilà. Il faut pouvoir lui donner une seconde vie, une seconde chance de devenir, par exemple, petit reposoir à peluche ou d'être transmis à un frère, une sœur ou à un autre enfant. Voilà mon choix. Aujourd'hui, sont les berceaux à bascule, Agathe. Bah oui. Oui, 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 les berceaux à bascule. Attention, j'ai fait le montage moi-même. Calmez-vous. Alors, mon Dieu, tout pourrait être détruit en un tour de main. Parce que vos bébés donc, ont été bercés dans votre ventre et ils vont retrouver cette sensation de bercement qui va les apaiser, etc. On trouve des berceaux sur le marché qui bercent automatiquement les bébés. Est-ce qu'on aime ça, Agathe? Ah non, on déteste ça. Ah, on n'aime pas du tout. Mais il faut quand même se mettre à la place d'un bébé qui est comme ça. Voilà. Pendant 3 heures, parfois on oublie et tout. Voilà, il a été bercé pendant 6 heures. Dis donc, j'ai laissé le bébé dans le transat, dans la balancelle. Non, en fait, l'idée vraiment du balancement, c'est d'avoir un lien qui se crée. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'autre de porter votre bébé en écharpe. Ça n'a pas de sens. À part que vous êtes tranquille. Oui. L'idée, c'est vraiment de créer du lien. Donc, ma sélection today. Le premier, c'est le verbaudet. Le verbaudet, pourquoi j'ai sélectionné? Car il est design, il est épuré. Et je sais que les gens, contrairement à moi, n'aiment pas avoir trop de fioritures dans leur maison. Donc, assez facile à monter, ne me tuez pas les cadreurs qui l'ont monté. Non, il reste peu encombrant. Il peut ensuite, pour le coup, servir, comme on le disait, de réceptacle à peluche. Vous voyez qu'il se berce tout de suite. C'est mignon, hein. Alors, j'ai beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'elles l'avaient choisi pour leurs jumeaux. Pourquoi? Ah oui. Parce que justement, il n'est pas très, très encombrant. Voilà. Oui, oui, c'est bien. Donc, on peut, et comme sur la majorité des berceaux, vous allez le voir, mettre une balancelle, les pieds en mode balancelle ou en mode complètement stable, qui fait que le berceau ne bougera pas. Il est sympa, il est joli, il coûte, attention, la modique somme de moins de 200 euros. Et ensuite, on va acheter un bon petit matelas. Ah oui, c'est sans matelas. Oui, alors, voilà, bah oui, quand même. Hein. Donc, je rappelle quand même les normes. Il faut que les berceaux soient aux normes. Je ne vais pas vous donner le nom, mais c'est EN1130. Sachez-le, ils ont tous les normes. Faites attention aux berceaux de design, très design, qui parfois sont plus des objets de décoration que des choses aux normes. Mais enfin, bon, pas non plus, hein. Pas se stresser. Celui-ci, non, j'en ai un à vous montrer, mais je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que regardez, Agathe, sur votre petit retour, cette magnificence. Oh, c'est le berceau crème anglaise. Je ne l'ai pas parce qu'il est fabriqué uniquement sur commande par Jocelyn Costis. Ah oui, d'accord, donc elle fait tout fait main, quoi. C'est un homme. Mais elle fait tout fait main. C'est Jocelyn. Ah, c'est en anglais un peu. Il s'appelle Jocelyn, il s'est jamais appelé Jocelyne, donc. Non. Pourquoi vous l'avez appelé Jocelyne? C'est le français, pas de... je veux dire. Oui, bon bah. Parce que s'il est américain. Il habite dans le sud de la France et il fait de très beaux berceaux. Alors ils sont bio. Tu dois être content qu'on l'ait appelé Jocelyne. Le pauvre. Mais ils sont très très beaux. Non mais ils sont magnifiques. Oui, 750 ils sont magnifiques. Euros certes, mais c'est une pièce qui arrive montée chez vous et ça n'a pas de prix, Agathe. Ça c'est sûr. Bois bio, peinture bio, c'est magnifique, c'est hyper joli. C'est un très bel objet. Après évidemment c'est un petit peu encombrant. Ensuite, vous connaissiez le berceau Chico ou Kiko comme on dit certains, qui se met près du lit, le berceau de Cododo. Oui. Il est pas très beau. Non. On va pas se mentir, il est pratique. Je vous ai dégoûté, madame. Le berceau Petite Amélie, qui est fabriqué donc en bois et qui a ce quadruple avantage d'être quadruplement modulable. Pourquoi? Alors parce que c'est un vrai lit au départ. Vous voyez, j'ai enlevé le petit bidule chouette, la petite barrière. On peut le mettre donc en lit cododo. Il y a une planche qui s'ajoute au lit des parents. Donc ça, on est content, on le met en cododo. Ah oui, ça c'est génial. Ça c'est chouette. Si on ne veut pas le mettre en cododo, une fois que le bébé devient un peu plus grand et qu'on veut avoir ce petit berceau à bascule, c'est génial. Eh bien là, alors on n'oublie pas de rajouter la barrière. Hein. On ne fait pas de cododo à bascule. Ça, oui, c'est ça. Un peu dangereux. Regardez Marie, prend des risques. Mais là, pour lire des histoires après, ben ça fait canapé, c'est génial. Quadruple innovation. Une fois que c'est terminé, on remet les trucs en bascule ou non d'ailleurs, et ça fait un petit banc pour la chambre. J'adore. Marvelous. J'adore. Le dernier, le petit lit de Baby Bjorn. Ah Kate, ouais. Kate pourrait avoir pris ça pour son petit. Tout à fait, tout à fait, parce qu'il y a un baldaquin. Tout à fait. Hein, yes, baldaquin, the moustique baldaquin. Alors celui-ci est très bien. Vous allez voir, regardez les pieds, on dirait que c'est pas un berceau à bascule, et pourtant si, Agathe. Regardez, c'est ce qu'on appelle un berceau raisonné.
Ah. Oh, c'était un tout, oh mon Dieu, mais c'était oui. un tout petit bercement. Petit bercement. Alors en fait, la marque avait créé un transat où le bébé peut se bercer tout seul. Et en fait, le principe est le même, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bercer, mais le bébé aussi en bougeant. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, à part le fait qu'il soit hyper léger, qu'il se replie facilement et qu'il se trimballe partout dans la maison, c'est pratique, c'est que le bout, vous voyez, est en, le bord est en espèce de grillage tout doux. Mm-hmm. Je ne dis pas du tout du grillage, hein. Mais ce qui va permettre à l'enfant de plaquer sa tête. Les enfants aiment bien se mettre contre. Bah oui, ça leur rappelle le ventre de leur mère. Sans que ça soit dangereux. Et vous pouvez le voir à travers, s'il fait bien dodo, c'est sympa, il est gentil. Moi, mon deuxième fils, il faisait tout le temps ça, il se collait à la maternité contre le truc en voilà. verre, et je disais, mais qu'est-ce qu'il a ? Et ils aiment bien. Bah oui. Allez, Jean-Pierre. Fais dodo. Et Baby Bjorn, sur les transats aussi, ils ont un truc bah comme oui, ça, tout, c'est super. Merci, Marie.